Bruce Toussaint a décidé de tout rafler. Alors qu'il vient de quitter BFM TV pour TF1, où il animera prochainement la matinale, il ne s'arrête pas là. L'un des très proches collaborateurs d'Audrey Crespo marra la lâche pour rejoindre le journaliste. Le mercato télé n'est pas terminé. Et BFM TV en fait les frais. Pascale de la Tour du Pin a quitté la chaîne pour C8, où elle anime PAF, une émission de décryptage des médias diffusée juste avant Touche pas à mon poste. Autre départ et non des moindres, celui de Bruce Toussaint, qui était à la tête du live Toussaint sur la tranche 9h-12h. Et alors que l'animateur star a annoncé avec surprise son départ de BFM TV pour TF1, voilà qu'il embarque au passage un proche collaborateur d'Audrey Crespo Mara avec lui. Si est sur les réseaux sociaux que la nouvelle est révélée. L'épouse de Thierry Ardisson s'est saisie de son compte Instagram afin de partager le départ d'Antoine Guello. La journaliste a alors partagé trois belles photos. Sur la première, elle apparaît souriante et assise à son bureau, tandis que son camarade se tient debout à ses côtés, lui aussi tout sourire. Le deuxième cliché montre le duo en pleine discussion dans les couloirs de la Une. Enfin, la dernière image montre tout le respect et l'affection qu'ils se portent l'un à l'autre. Audrey Crespo Mara et Antoine Guello s'enlacent pour une dernière bise sur le plateau du journal télévisé de TF1. En légende de ce post, la star de la chaîne fait sobre, merci @Antoine-Guello pour ses 8 années. Le rédacteur en chef des JT d'Audrey Crespo Mara ne la perd pas de vue pour autant Antoine Guello marque à son tour son départ, sur X, anciennement Twitter, cette fois. Ce dernier a ainsi publié la même première photo que la journaliste aux commandes du portrait de 7 à 8 chaque dimanche soir mais aussi à la tête des journaux de 20h les week-ends pendant les vacances. Clin d'œil à @Audrey-Crespo que j'ai eu la chance d'accompagner pendant 8 ans comme rédacteur en chef. Merci de ta confiance Audrey. Je vais profiter des week-ends pour te regarder et aussi pour préparer la nouvelle matinale de DSTF1 avec @Bruce-Toussaint, lance-t-il. Si est ainsi que les téléspectateurs découvrent qu'il quitte Audrey Crespo Mara pour rejoindre Bruce Toussaint. Un départ qui s'effectue en douceur, au vu des posts de chacun. Rappelons que Bruce Toussaint reste à l'antenne de BFM TV jusqu'à mi-décembre et que son remplaçant a déjà été trouvé. Il s'agit de Maxime Switek, visage déjà bien connu des téléspectateurs de la chaîne. Nous avons décidé de ne pas nous lancer dans un mercato en plein milieu de l'année. Parce que nous avons suffisamment de talents maison sur lesquels nous souhaitons nous appuyer, a précisé Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV.